Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Clément, mais comment fais-tu pour être le premier connecté, Clément, tous les soirs? Il est au taquet, Clément. C'est bien. Belle motivation, ça fait plaisir. Bonsoir, Pascal. Irène, bonsoir. Irène, j'espère que le dos va mieux. Attention. Je sais que tu t'étais fait un petit peu mal l'autre soir. Fais attention. Farid, bonsoir. Il y a des gars, c'est cool. Charlène, bonsoir. Anne, bonsoir. Paco, Johanna. Johanna, ça fait plaisir de te revoir. Johanna qui était très assidue lors du premier confinement et à cause de son travail qui a dû nous délaisser et qui revient, ça fait plaisir. Valérie, salut. Patricia, Carole, Joris. Coucou, Joris. David. Laurence, bon, c'est cool d'être là en tout cas. Je sais que c'est difficile avec les contraintes professionnelles. On doit s'organiser tous, mais c'est bien, vous êtes réguliers. Maria, bonsoir. Charlène, bonsoir. Enfin, bonsoir. Nadine, Karina, 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 pardon. Val, c'est ça de vouloir faire le malin. On fait genre, on voit tout, mais en fait, je vois rien. Cyril, Carlotta, Claudine, Véro, Claire. Ah, Joris, il est au taquet, Joris. Joris, c'est un de mes athlètes, un de mes élèves qui me suit à l'année sur Boulogne. Salut Joe. Clem, Clem. Bon, merci d'être là. Je n'ai pas de petite liste ce soir de remerciements. Je n'ai pas eu le temps de la préparer, mais je ne vous oublie pas. On a passé les 19 900 hier soir. Et oui, il y a quelques jours, je vous remercie pour avoir passé les 19 700. On a passé les 19 900. Donc, je pense que les 20 000 ne sont pas très très loin. Donc, c'est bien, bien cool. Voilà, même si ça signifie rien, même si ça signifie simplement un chiffre, mais c'est cool, ça donne un bon objectif. En tout cas, merci d'être au rendez-vous. Alors ce soir, cardio box, peut-être que ça va être une découverte pour certains, peut-être que pour d'autres, ça ne l'est pas. Si vous êtes adepte des choses qui sont posées, si vous êtes plutôt adepte des choses qui sont cool, pas trop vite le temps de bien se positionner, le temps de bien intégrer les notions d'exercice, les bonnes consignes. Ce soir, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Ce soir, ça pulse, ça part dans tous les sens, ça va très très vite. On fait appel beaucoup à la mémoire pour la mémorisation déjà des appellations. Ensuite, pour les enchaînements. Donc, ça risque d'être un petit peu dans le rythme, ça risque d'être plutôt saccadé. Donc, si vous êtes plutôt, encore une fois, adepte des choses cool, ce n'est pas forcément le cours sur lequel vous allez trouver le plus de plaisir. Hein. Par contre, c'est un bon exutoire, on va se défouler, on va encore une fois transpirer. Et ça va nous faire du bien. Je vais tâcher de ne pas refaire la bêtise que j'avais fait pendant le tout premier confinement et le premier fight. Donc, on est bien d'accord qu'on est en train de combattre un adversaire virtuel qui n'a aucune connotation de violence, il n'y a rien du tout. C'est juste entraînement, boxe et tout ce qui s'y apparente. Mais voilà, il n'y a pas de violence derrière tout ça. C'est juste une salle de boxe. 17h58. Si, on l'a notre adversaire. On le sait tous, c'est le Covid. C'est le nez du Covid que l'on va boxer ce soir. On va en venir à bout. Il y a, alors je ne sais pas comment on dit, je suis désolé si c'est Yi Yusan, je suis navré, qui me dit c'est son troisième jour. Eh bien écoute, merci d'être là, merci d'être parmi nous. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient manifestées, donc c'est bien cool. Allez, 17h51, j'attends quand même les 18h pour être sûr de bien démarrer et qu'on démarre à l'heure, de ne pas faire de fausses surprises. Cas, vous avez l'air en forme, hein. On est déjà près de 260. C'est bien, franchement, c'est super bien. À l'époque où je travaillais dans une très grande salle, très très grande salle sur Paris, du côté du 15e, je crois que le plus grand cours, il me semble, 140 personnes, un truc comme ça. Et là, on est déjà à 250. C'est monstrueux. Le collectif. Beau collectif. Allez, il est 18h, c'est parti. Donc, on commence. Échauffement. Durant l'échauffement, on pose les coups, on met les appellations en place et après, on lâche les choses. Allez, j'bing, j'bing. C'est parti. Juste petit principe et petit rappel avant de démarrer. On est dans un combat dans l'espace. Il n'y a pas d'adversaire. Quand on frappe sur quelque chose, il y a un impact, il y a une terminaison. Là, on est dans l'air. Donc, essayez de sentir que quand vous frappez,
Vous n'allez pas en hyperextension au niveau des coups, d'accord? Vous frappez pas, un tout petit peu de souplesse pour ne pas brutaliser les articulations. Ça, c'est super important. Même quand on met de la... pas ça. C'est pas je jette les bras, parce que là, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Donc, même si vous êtes un tout petit peu en deçà, essayez de garder quand même le rythme. Allez, on va commencer tranquillement. Vous allez monter les deux bras au-dessus de la tête. Inspirez. Étirez le bras droit. Étirez le bras gauche. Remontez les deux bras. Relâchez le soulevé. Encore une fois, inspirez. Étirez le bras droit. Étirez le bras gauche. Les deux bras. Et relâchez. Soufflez. On enroule les épaules. Pendant ce temps-là, on essaie d'avoir une bonne conscience sur le maintien, la posture au niveau du dos, l'engagement des abdos. Ouais, ça va être en mode Dragon Ball. Hein. On va sentir la puissance qui va monter là. Parfait. Vous allez ensuite, vous allez rapprocher les doigts près de l'intérieur de la main. Vous mettez le pouce par-dessus. Attention à ne pas être crispé. Vous fermez la main, mais vous ne crispez pas plus que ça. On attaque. Travail de rotation. Avant de parler des bons, on va parler des appuis. Pivote. En essayant de sentir que la charnière centrale, les abdos sont. C'est tout l'ensemble du corps qui pivote en même temps. Et vous faites vraiment le travail par la rotation des pointes de pied. Ça, c'est important, c'est de la mobilité. Ensuite, quand on va pousser les bras, ce que vous sentiez, c'est que la puissance, elle part avant tout des cuisses. Vous poussez dans les jambes. C'est comme pour le lancer du poids, le lancer du disque. Tous les lancers, d'ailleurs, ça part du bas. Allez, et ensuite, vous donnez la trajectoire en diagonale avec le bras droit et le bras gauche. Allez, c'est parti. Cherchez à bien souffler. Oh, quelque chose me dit qu'on va transpirer ce soir. Je vois des bras relevés comme ça, là, en smiley. Je vois que vous avez l'air au taquet, c'est cool. Je sais pas comment vous avez senti là, ressenti la séance d'hier soir. Perso, j'ai du mal à me lever. Allez, expirez bien. Parfait, donc ça, c'est le direct. On est d'accord? Premier coup, le direct. On transforme en crochet. Donc le bras reste à proximité du corps, je me mets de profil. Ne partez pas trop loin devant. Ne partez pas trop sur les extérieurs, restez dans un geste relativement court. Encore une fois, pilotez-le par les abdos. Essayez d'enchaîner de la même façon, droite et gauche. Crochet. Voilà, très bien. Essayez d'avoir un registre de force. Sans être tabou, on essaie de sentir où est la force. Uppercut. Donc ça part du bas, ça remonte au niveau du menton. Pas dans tous les corps à corps, mais en tout cas en boxe, vous remontez bien vers le menton. Tac. Tac. Donc là, vous avez l'impression que je donne la direction avec mon bras, mais c'est surtout mes abdos. Si je travaille sans les bras, ça ferait ça. On va le prononcer un tout petit peu plus, permettre d'engager un peu plus le bras. Hop, allez. Grande spécialité de Mike Tyson. Qu'est-ce que c'était beau à voir quand il vous déclenchait un uppercut comme ça. Hop, il avait sa spécialité plus petite de son côté et bim, uppercut. Je me suis un peu enflé 2 secondes. Allez, continuez là-dessus. Voilà, encore une fois, soignez la qualité des appuis, poussez dans les jambes. Sentez que la puissance, elle monte. Parfait. 4, 3, 2, 1. On se refait une petite récap, direct. Hop, on a un petit peu plus de rythme. 4, 3, 2, on transforme en crochet. Hop, hop. Alors, je pense que le retour caméra, il est trompeur. Vous avez l'impression que c'est hyper saccadé. Je suis quand même très relax dans mon geste. Hein. Je suis quand même très fluide. Je ne fais pas vraiment un mouvement brusque. Hop. Crochet. 4, 3, et on transforme en uppercut. Hop. Allez, avant, misez sur les bras, misez sur les pieds, misez sur les abdos, et ensuite seulement le bras. Alors évidemment, hein, si vous commencez, vous pouvez le faire plus lentement, vous pouvez le faire à votre rythme, vous pouvez faire la même chose en posant l'exercice. Ce ne sera pas forcément valable sur tous les exercices, mais en l'occurrence, là, c'est possible. Allez, 3, 2, 1, parfait. On revient ici. Quand on a sauté, ça peut être là, en version plus cool. Voilà, activez bien les bras. Expirez, on va en faire pas mal de la corde à sauter. Hein. On va alterner. Des séquences de boxe, grosse séance cardio, grosse séance de renforcement musculaire. On en aura principalement deux. Allez, soufflez. Alors, à partir de là, je vous laisse piloter. Soit vous le faites comme ça, à la cool, et vous restez en actif,
Soit vous commencez à faire des petits mouvements de jambes. Allez. Ou si en termes de coordination, vous sentez que c'est trop galère, vous restez sur quelque chose de plus accessible. Je referme un tout petit peu le cadre. Ce qu'on est bien. Allez, expirez. Parfait, vous commencez à monter un peu plus avant fesses. Et je souffle. Alors, l'idéal, ça serait de s'apparenter au contexte de boxe, mais si les bras vous gênent, vous aussi placez les mains là et mettez juste le focus sur les appuis. Voilà. Ou en courant, à vous de voir. On souffle. On va faire un petit travail avec le pied droit, ça va revenir beaucoup ce soir. Pied droit en avant, petit sursaut. Voilà. En marchant, ça peut être ça. Hop. En versant full, alors, en essayant vraiment de sentir que vous avez le pied droit qui pilote le mouvement. Très cool. Et de là, vous allez devenir deux directions. Diagonale droite, diagonale gauche. Diagonale droite, diagonale gauche. Diagonale droite, diagonale gauche. Hop. Essayez de bien vous familiariser avec ça parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Ça sera beaucoup plus cardio. Parfait. Pendant que vous continuez cette séquence-là, essayez de sentir plusieurs choses. Le maintien de votre corps. Ok, je domine mes appuis, je suis bien. Ensuite, essayez à la sensation et à l'oreille d'écouter la brièveté sur le sol. Est-ce que le pas est lourd? Est-ce que c'est léger? Voilà, et sentez vraiment encore une fois le gaz. Vous êtes dans un registre de force. À tout moment, vous pouvez déclencher la tempête. Allez, soufflez pas. D'ailleurs, de temps en temps, parce que j'ai des messages passés qui tirent la grimace, en l'occurrence, apparemment, un problème de connexion sur YouTube. Et j'ai vu un bug sur Facebook aussi visiblement. 3, 2, 1, on revient. Corde à sauter. Expirez bien. On revient à nouveau, on joue avec la nuance. Allez, soufflez. Je vous mettrai peut-être une vidéo. C'est de Floyd Mayweather. Je n'arrive jamais à le dire de toute façon. Impressionnant. Séquence de boxe. Encore à sauter, c'est énorme. Rien qu'à voir déjà, c'est un spectacle. Allez, 3, 2, 1, on reprend, pied gauche devant. Hop. Allez, petit sursaut. Je suis cool, je te rappelle. Hein. En version soft, je pose, je reviens, je pose, je reviens. Hop. Expirez. Et on reprend les deux diagonales. Allez, rappelez-vous. Hop. Allez, encore, essayez de continuer sans moi. Même si je me répète, j'aimerais vraiment que vous rentriez dans un contexte où vous sentez que vous êtes là en mode athlétique. C'est la première fois, vous n'avez pas forcément la représentation de votre corps dans l'espace. Vous n'êtes pas super à l'aise avec le mouvement, mais c'est pas grave. Visualisez-vous en train de faire le combat de votre vie là. Voilà, investissez votre rôle ce soir. Mettez un déguisement s'il le faut, mais vous êtes en mode fighter. Donc, vous sentez que vous êtes là, dans l'énergie. Vous avez le contrôle, le respect de l'adversaire, mais l'engagement. Tout ce qui caractérise justement les arts martiaux. Allez, c'est parti. On expire, on tient bien. C'est cool. Alors, on va faire une première contrainte au niveau des appuis, ce qui va finaliser l'échauffement. On va faire un mix de ce qu'on vient de faire. On va essayer de travailler avec les appuis droite et gauche. On avance pied droit, on rassemble pied gauche. Hop. Et essayez de sentir, voilà, le déplacement du corps dans l'espace, ce n'est pas une contrainte. Droite, gauche, droite, gauche. Alors, je vais me calmer encore un peu parce que mon petit voisin, ça fait du bruit. Mais hop, voilà, je prends le temps de poser. Alors, pour ceux qui le souhaitent, non, vous pouvez actionner un peu les bras. Hop, allez. En version très cool, ça fait ça. Hein. Je pose, je rassemble les deux pieds, je pivote, droite. Rassemble, gauche. Par contre, dès que vous déclenchez la frappe, sentez les abdos. Allez, encore 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On rassemble et on part en moulinette. Moulinette active avec les jambes ou stable au sol. Vous imaginez que c'est un petit ballon de frappe là. Et ça tourne. Les panneaux partent en arrière. Vous pouvez rester actif, hein. Parfait, avec le bras droit seulement, on avance son recul. Sentez que c'est l'avant-bras qui pilote. L'épaule reste relax. On gère bien. 5, 4, 3, on reprend les deux. Les doigts sont relâchés. Hein. Tout est relâché d'ailleurs.
Et là, je fais avec le bras gauche. Allez, soufflez, accrochez-vous. Cinq, quatre, trois, dernière fois avec les deux. Hop. C'est bien, c'est très très bien. Allez, les 5 dernières secondes. Parfait. 3, 2, 1. On relâche les bras. Vous allez partir avec le pied droit. Pied droit devant. Donc là, on imagine qu'on est en effet miroir. C'est votre pied droit à vous. Ce que l'on va faire, c'est 3 directs alternés. 1, 2, 3. Le quatrième, un hypercute. Je pousse sur la jambe arrière. Droit, gauche, droit. Hypercute. 1, 2, 3. Hop. Ce qui fait un enchaînement en 4. 1, 2, 3, 4. Ferme. 1, 2, 3. Allez, soufflez bien. On essaie de sentir que les transitions sont hyper fluides. 1, 2, 3, 4, mettez-le. Au contraire, vous avez besoin de le poser, c'est pas grave. Direct droit, gauche, droite. Encore. Voilà, chacun son rythme. Ce qui est important, c'est que vous restiez tous actifs. Voilà. Par contre, ne vous définissez pas. Tombez pas au dernier. C'est pas je fléchis, c'est ici, hop, j'enclenche, je suis ferme. Un bon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam, 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 pam. 5, 6, 7, 8. Et vous pouvez bouger. Commencez à circuler. Hop. 5, 6, 7, 8. Hop. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait dans le même timing que moi, ce n'est pas grave. Hein. Travaillez sur votre timing à vous. Encore 3 fois. Allez, commencez à visualiser un adversaire. On parle bien d'adversaire virtuel, virtuel encore une fois. Allez, dernière fois. Hop, on revient. Corde à sauter. Expirez. Parfait. Commencez à entraîner les genoux si vous pouvez et activez un peu plus les bras. Le maintien de la posture. Je pense que ça va être chaud ce soir. De mémoire, les derniers cours de boxe que l'on a fait, c'était sur 30 minutes, c'était des boosters. On est sur 1 heure ce soir. Allez, activez bien la corde. Chaîne sans la transition petit pas pour le moment. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Ici. Sentez hein, le gainage. Tout ce qu'on fait dans les autres séances là. Il faut bien que ça nous serve à quelque chose. Les articulations. Une dernière fois, et on y ajoute les petits pas. Hop. 1, 2, 3. Hop. Encore. Allez, plus vous allez souffler, plus vous allez engager la sangle abdominale. Sentez que vous êtes bien. Voilà. Visualisez le l'adversaire. Allez. Encore. Hop. 2 fois. Parfait. Dernière fois. Hop. 1, 2, 3, 4. Et on revient. Corde à sauter à nouveau. On attaque. Petit pas sur le côté. Allez. Activez bien. Coordination bras-jambes. Maintien des postures. Engagement de gainage et fréquence au sol. Option plus cool. Là, j'ai besoin de récupérer. Ça va trop vite. Je n'ai pas l'habitude, c'est une première fois. Je veux quand même faire le cours, même si je ne suis pas super à l'aise. Il y en a pour tout le monde. Allez, dans tous les cas, vous prenez de la hauteur. Bon, apparemment, ça bug encore. Je vois Valérie qui me dit que gros bug. Allez, expirez. Parfait. Vous allez scaler les deux jambes maintenant et vous faites tourner la corde à sauter à droite à gauche. Hop. Option plus cool. En marchant. C'est comme si vous faisiez passer la corde de part et d'autre du corps. Là. Alors pas comme je viens de le faire parce que c'est l'impression que je fais une danse là. Mais en essayant vraiment d'être coordonné et encore une fois bien calibré. Parfait. Vous revenez. Genoux. Hop. Et maintenant c'est comme si vous faisiez croiser la corde autour et devant. Allez, activez. En marchant, ça marche aussi. Hein. En marchant, ça marche aussi. En marchant, ça fonctionne aussi. Allez. Voilà. Plus que les jambes. Essayez de sentir le rythme et le relâchement des bras. Allez, montez bien ces genoux. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, genou droit, genou gauche. Ça, c'est une transition. C'est bon, on va maintenir un certain niveau cardio et c'est surtout ce qui va nous permettre de faire la transition sur les exercices qui viennent. Allez, de la hauteur.
Sentez l'engagement au niveau des abdos. 6, 4, 3, 2, on récupère, on souffle. Vous restez là-dessus, restez en actif, je vous fais voir la suite. Bien dans les jambes, 4, direct, alterné, 4. Ensuite, 2, supercute, et j'enclenche genou, genou, ce qui me fait changer de côté. 1, 2, 3, 4, hypercute de l'autre côté, genou, genou, et ça me fait encore une fois changer. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, et je repars avec bras droit. On y va, 3, 2, partez avec la main droite, on y va, on le pose. 1, 2, 3, 2 hypercutes bras droit, 1, genou gauche, genou droit, et on repart direct bras gauche. 1, 2, 3, 2 hypercutes bras gauche, genou droit et genou gauche. Soit vous restez sur ce rythme-là, quand vous commencez à être à l'aise, vous l'accélérez un peu. Soit vous êtes super à l'aise et vous partez à nouveau. Prenez le temps de me poser quand même. Hop, et là je pose. Hop, et je réenclenche. Allez, ne vous désunissez pas dans l'exercice. Hop, hop. Encore. Ah, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Déjà, il y a un travail au niveau de la mémoire. Alors, dès que vous commencez à être un peu dans le rouge, ou vous commencez à perdre un petit peu le contrôle de la séquence, parce que là, vous revenez encore à sauter. Allez, sinon, il en reste 3. Il en reste 2. Poussez par les jambes. Déclenchez par les cuisses. Là, genoux et corde à sauter. Enfin, on va réguler un peu au niveau des bras. Alors, on fait un travail sur les déplacements. Et après, on fait un temps pour aller boire un petit peu. Expirez bien. On va faire un travail avec le pied droit. Que le pied droit soit un moteur. Donc, on l'a fait tout à l'heure. Là, on l'a fait dans les deux diagonales. Maintenant, vous allez faire un jour pied droit devant. Et vous allez bouger. Gardez l'écartement entre les jambes. Mais vous allez circuler. Allez, tournez comme si vous étiez sur le ring. Mais toujours avec le pied droit devant. Allez, ça avance. Ça recule, ça se déplace, ça contourne. Par contre, on ne tourne jamais le dos à l'adversaire, jamais. Allez. Voilà, mettez la pression sur l'adversaire. Avancez sur lui. Compressez-le. Parfait, vous êtes à l'aise. Maintenant, vous déclenchez avec le bras droit. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Encore 5. 4, 3, 2, 1, on revient. Moulinette, go. J'active. Expirez toujours. Vous allez redescendre dans les appuis. On stabilise en bas. On relâche bien les épaules. On se prépare. Sangle abdominale. Les bras. On se protège. Hop. Et on déclenche droite, gauche. Parfait. Et là. On se met en protection, nos épaules, et on esquive. Attention si vous allez en arrière, faites attention à votre dos, surtout si vous êtes sensible. C'est en bas, c'est des amortisseurs, et tout le reste du corps pivote. Si vous avez mal au dos, restez plutôt là, devant, et gentiment, d'accord? Par contre, si vous pouvez y aller, hop, on esquive. Allez. Il y a l'orage, là. Vous êtes coincé dans un des coins du ring, et hop, l'adversaire, il déclenche des frappes, et vous esquivez. Vous avez un temps d'anticipation sur lui. Et c'est reparti direct. Vous vous êtes dégagé. Go. Serrez bien les abdos. Serrez, serrez, serrez. Et c'est reparti. Orage numéro 2. Voilà, ne lâchez pas des yeux. Visualisez bien. Ah, j'ai dit que ce soir, ça allait pulser. Hein. On ment pas. Hein. Parfait. Commencez à bouger effectivement avec les pieds. Hop. Vous êtes coincé. Mais vous pouvez quand même bouger. Allez, dans les cuisses. Et c'est reparti, on déclenche. Go. Allez, stabilisez bien. Vous n'avez pas le recul, vous n'avez pas le temps de placer l'exercice-là. Stop, au niveau des abdos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, esquive. Lâchez pas vos abdos. Pensez au périnée, pensez au dos.
Hop, c'est de la perception là, hein, acuité visuelle. Même s'il est là, même si vous asseyez un peu dans un coin, c'est pas grave. Vous semblez subir, mais en fait, c'est vous qui dominez. Il vous touche pas. Il ne vous touche jamais. Jamais. 3, 2, 1, en retard. Parfait, récupère un peu. Alors, on a besoin de récupérer. On va bouger dans le ring. On bouge. Petite phase de récupération. Et ça va être le pied gauche cette fois. Pied gauche moteur. On avance, go. Allez, bougez. Il se peut qu'au niveau de la sensation, ce soit pas aussi facile avec le pied gauche qu'avec le pied droit. Allez, pivoter, donc pivoter. Essayez de garder le bon écart dans les jambes. Toujours. Vous êtes à l'aise et c'est parti, on déclenche, bras gauche. Même si vous avancez, même si vous reculez, vous êtes en mesure de déclencher une frappe. Pas tout le temps, hein. Pas que des frappes à la suite, mais toujours calé, posé, réfléchi. La bonne frappe, le bon timing. La tempête du moment. Vous êtes un peu vers le bas, ça peut être un peu vers le haut. 3, 2, hop, deuxième phase. On reprend, esquive. Allez, continuez sans moi, continuez de bouger, serrez les abdos à mort. Voilà, videz les tensions. Allez, au-delà du contexte de boxe, là. Oui, le combat, il est là. Oui, c'est fun. Oui, c'est sympa. Libérez toutes les tensions. Et on reprend la frappe. Abdos, abdos. On se protège. Hop, esquive. Bougez. Élastique dans les cuisses. Élastique. Regardez-le, cet adversaire. C'est marrant même. Continuez, hein. Continuez sans bras. Bougez. Tout est sous contrôle. Vous avez le contrôle. C'est là. Il y a la tempête, il y a le rythme, mais vous maîtrisez tout. Vos appuis, votre endurance, votre résistance, votre puissance, que lui va faire. Vous avez l'anticipation sur ce qu'il fait. 3, 2, c'est parti, go. Lui ou elle. Sacré Covid. On va t'avoir. 3, 2, hop, esquive. Allez, mes cuisses, je les ai bossées. Elles sont là, elles répondent présentes. Hop. Là, je suis en train de dire à tous ceux qui arrivent ce soir pour faire un cours de gym qui sont là, ah, c'est cool, on va se faire du bien, on va se poser, on va faire des trucs réfléchis. On n'est pas. 3, 2, 1, hop, dernière fois. Allez, qui c'est qui aura l'ascendant? Lui ou vous? Forcément, c'est vous. 7, 6, 5, 4, 3, esquive. Hop. Ça peut être la fatigue, hein? L'adversaire, ça peut être la fatigue, ça peut être les idées négatives, ça peut être les contraintes, ça peut être le stress. Allez, on va chuter tout ça, c'est fini. Encore 5, 4, je bouge dans mon coin, mais je bouge. 3, 2, je me dégage, corde à sauter. Allez, actif. On finit par une petite phase d'accélération et la récup. Serrez les ados, grandissez-vous en marchant. Ou alors c'est parti avec le braco. La fatigue n'existe plus. La fatigue, c'était une interprétation des choses. La réalité, c'est que notre potentiel, il est bien au-dessus de tout ça. Révélé ou pas encore révélé, en sommeil ou pas, notre potentiel, il est au-dessus. 5, 4, 3, restatif, restatif. Évacuez progressivement. Ah, soufflez bien. 3, 2, and the fight. Je bing et je bing. Ah, ces deux premiers rounds, ils étaient loin. Mais c'est marrant. L'adversaire, il nous a serré dans les cordes. Il croit qu'il a l'avantage pour nous, sur nous. C'est lui qui s'est fatigué. C'est lui qui s'est fatigué. Nous, on a géré. On a laissé passer l'orage. Maintenant, on va prendre le dessus. Allez, récupérez bien, soufflez bien. On est 300, c'est bien. 300 à boxer ensemble ce soir. Ça dégage de l'énergie, là. Allez, on se
sur ma équipe. Je vais faire comme Cristiano Ronaldo, je vais faire comme lui, à monter les cuisses. J'ai un peu mal à barre du goût, moi. J'ai double couleur. Je suis en train de corriger toutes les vidéos de ma méthode. Je n'ose même pas vous parler des marques de soleil que j'avais cet été, que vous vous rappelez certainement. Je suis un peu entre goût fraise et goût vanille. Mais c'est pas grave. Allez. Relâchez bien les bras. Et si vous pouvez, tout de suite, on se rend à bouger à la cool. À la cool. C'est dans un tox, ça. C'est dans un tox. L'adversaire, il croit qu'on est cramé. Il est fou, mais il est fou. Là, mon pote, il va falloir qu'il sorte la grosse artillerie. Hein. Parce que nous, on est là et on répond présent. Le physique, on l'a. Donc, Covid ou pas Covid. On va être bien. Allez, soufflez encore. Activez bien. Relâchez les bras. Allez, expirez. C'est parti. On enclenche. Droite, gauche, ici. Tac. Allez, petit sursaut. Expirez. Parfait. La suite avec votre bras droit. On fait deux fights. Et on revient. Petit sursaut. Et deux fights à gauche. Hop. Et petit sursaut. Deux fights à droite. Avancez, recul. Hop. Petit sursaut. Ça peut être en marchant. Ça peut être ça. Parfait. Hop. Hop. Et je dégage. En option cool, en option j'ai besoin de récupérer. C'est pas forcément plus facile. Hein. Parfait. Au niveau 2 et 3, c'est la même chose sauf qu'on transforme par des jacks. 1, 2. Quel est le contrôle? Quelle est la posture? Quel est le relâchement? Comment je jauge mon niveau d'énergie? Parfait. La gestion de l'effort, ça fait partie des rouages de l'entraînement. Hein. Ne pas se mettre dans le rouge trop vite. Allez, expirez. Encore une de chaque côté. On souffle bien. La dernière. Parfait. Corps à sauter tranquillement. Transition, on souffle. Encore une fois, réduisez le temps de contact au sol. Soyez davantage sur 2000 points de pied et en bas, plus de brièveté. Allez, et les bras. En plus cool. En plus cool, ça peut être ça. Allez, expirez bien. Parfait. 5, 4, 3, 2. Pensez à les abdos. On va chercher quelque chose devant, virtuel. C'est le fameux truc qui met le plus de problèmes. On ramène, on tire. Coup de genou. Compact. On revient, on marche et on fait la même chose de côté. Voilà. Attraper, essouffler. Attraper la serviette et tirer sur la serviette. Attraper l'épouvantail et tirer sur l'épouvantail. Je préfère me protéger. Hein. Allez. Encore. Très bien. Essayez de sentir que c'est un peu plus dans l'impact au moment où le genou monte en percussion. Ici, au niveau des abdos. Alors, ça paraît brusque, mais j'ai du contrôle quand même dans mon mouvement. Ça reste tonique. Encore une fois, même si c'est explosif, et encore, on n'est pas totalement dans l'explosivité, on a le contrôle. En version hyper explosive, c'est ça. Hop. Mais je sais que j'ai le contrôle. Allez, pour ceux qui le veulent, justement, on y va. C'est parti, un peu plus explosif. Allez, je vais avec les appuis au sol. Hop. Très bref. Hop. Hop. Encore une fois, je me calme avec les voisins. Mais tirez bien. Allez, 4. 3. Je ne sais pas si vous connaissez les Battle Rope. C'est les grosses cordes. On va faire un peu un travail similaire. Vous allez partir d'ici, vous allez faire de petits mouvements de bras. Voilà. Attention, on n'a rien en bas. Il n'y a pas de consistance. Donc, c'est juste le geste. Descendez dans les cuisses. C'est pour préparer la suite. Maintenant, vous allez imaginer que vous avez non plus deux cordes, mais une corde et vous tirez à la corde. Allez, go. Et on tire dans les jambes. On descend. Travaillez dans les cuisses. Allez, lâchez pas votre dos. Lâchez pas vos abdos. Mettez de la fréquence. On est en mode inarrêtable. Allez. On va partir sur le vent des globes. Contrôlez, contrôlez. C'est trop dur. C'est trop cardio. Vous n'avez plus l'endurance nécessaire.
Vous remontez, vous récupérez, dès que vous pouvez, vous repartez. Go. Allez, les amis, encore, encore. Encore 20 secondes si vous voulez. Pas trop dans les jambes, pas trop bas non plus. Les abdos, le dos, l'oxygénation. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. À la fin des quoi, on remonte et sursaut. 3, 2, 1, sursaut. Oui. Allez, faites attention si vous faites comme moi, pas jeter l'éponge. Hein. Si elle tombe par terre, alors, le combat il s'arrête. Parfait, on se remet ici. On resserre les poings, contrôle la posture, engagement des abdos. Je recule, petite fente droite ou petit dégagé, selon votre niveau. Fight vers le bas. On y va, cool. Voilà, descendez par les cuisses. Option un peu plus physique. Descendez, faites une jolie fente. Voilà, que ce soit bien les cuisses qui amortissent. Et on va puncher en dessous, là. Allez, ça descend vers le bas. Le bien le coup de peau. Serrez les abdos. Et quand le bras descend, attention à ce que le dos, attention, pardon, à ce que le dos ne s'enroule pas. Là, c'est par les cuisses qu'on descend. Est-ce que vous voyez le truc venir? Pas encore? Alors, c'est pour bientôt. 8. Allez, l'image dont on parlait au tout début, la visualisation, là. Sentez-le, le rôle de athlétique. Et on revient. On souffle. Je ne vais pas vous laisser un temps de récup trop long. On mixe les deux. Genou gauche, faille droit en bas. En version cool. 1, je dégage. 2, genou. Et je dégage. En version athlétique, hop, transition. Allez, c'est parti, go. Même si c'est rythmé. Avec la fatigue, lâchez pas la posture. Lâchez pas le contrôle musculaire. Ça fait 10, on peut s'arrêter là, corde à sauter, sinon encore 5. Allez, ça reste élastique dans les jambes. Deux fois. Et c'est reparti, genou haut, corde à sauter, go. Ouh, ça picote. Allez, activez la respire. Encore. Rappelez-vous les bras qui croisent. En marchant, je fais le même cours. Hein. Sauf que j'ai pris ma licence la semaine dernière. J'ai peut-être pas le même entraînement que les autres. C'est pas grave. On est dans la même salle, dans le même partage, dans le même esprit. Allez, 10, 9, 8, 7, 6. Sentez à quel point vous avez le contrôle de tout. 2, 1. On récupère. On switch. Genou gauche et fente. 3, 2, 1. Go. Et le bras qui monte. Allez, lâchez rien. Ça fait 10. 3 fois. 2 fois. La dernière. Ok, vous bougez en version cool ou en version active. C'est la prochaine étape. Et je bouge. Bougez, bougez, bougez. Occupez l'espace. Occupez l'espace. Il est fatigué, peut-être plus fatigué, vous. Montrez-lui que vous avez justement la sangle. Il va falloir qu'il vienne me chercher. Hein. Allez. L'entraînement, il est physique, mais il est surtout mental. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On descend et la corde. Go. Allez, où l'élasticité? Allez, tenez bon. Encore une fois, vous sentez que c'est trop hard. Remontez, récupérez, marchez. Allez, je tire la corde, je tire, je tire, je tire, je tire. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relax. Parfait, on souffle. Actif. On pose une dernière séquence là. Et après, on fait un temps mort et après, on remonte à bout en intensité. On vient de le faire. Le travail sur les placements en toute diversité. Pied droit, puis pied gauche. Là, on vient de le faire. Mais on va travailler un peu plus sur la cadence.
Gardez bien l'écart entre les jambes. Et c'est droite, gauche, non-stop. Allez, bougez. Alors, je m'arrête. Ne vous arrêtez pas. Le seul focus que vous devez avoir, il y en a deux en fait, c'est pas le seul, c'est les deux. C'est le contrôle de votre posture, le maintien. Sentez les abdos. Sentez que les bras, ils pivotent avec le corps. Hop. Tout ça, c'est les abdos. La charnière entre le haut et le bas du corps. Et en bas, c'est la sensation des pieds sur le sol. Bref, le truc, il n'est pas lourd. Même si on est un peu fatigué, il suffit de respirer. Il suffit de sentir pourquoi on est là. En même temps, on est bien. Ça me fait des neurones. Et tout de suite, je reporte l'attention sur le pied. Et en bas, ça touche à peine. Hop. Parfait. Maintenant, selon vous, soit vous déclenchez à droite, hop, esquive, soit je déclenche à gauche. Allez. Faites-le le combat. Faites-le. Hop. Le laissez pas avancer. Il avance. Hop, vous le repoussez. Au contraire, vous le chargez. Ça peut être du droit-gauche. La fatigue, elle n'existe plus, sauf si vous débutez, sauf si vous êtes trop fatigué, sauf si vous avez des problèmes. Dans ce cas-là, warning, vigilance, ne prenez pas de danger, de risque, pardon. Et là, vous êtes ici, vous régulez, et c'est très bien. Je m'adresse à ceux qui n'ont aucun problème de santé, ceux qui font l'entraînement régulièrement. Voilà, allez chercher justement les petits trucs qui feront la différence, là. Allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, bon, hop. On souffle, on souffle, on souffle. Soit vous restez là-dessus, soit vous régulez, soit vous montez les genoux. Et c'est parti, ultra bref. Allez, 10. Là encore, brièveté de l'appui, je relance, je relance, je relance. 5, 4, 3, 2, 1. Bing et bing. Cool. C'est pas froid. Allez, souffle un peu. Je sens l'énergie de l'autre côté de l'écran. C'est sûr que le contexte boxe, quand on n'est pas familier avec, ça peut faire bizarre. Boxer dans le vide, boxer chez soi, boxer contre qui, contre quoi, surtout qu'on n'est pas méchant, qu'on ne cherche pas la violence, ça peut être bizarre. Sorti de ce contexte-là, c'est une préparation au top. On joue sur toutes les qualités physiques. On engage le corps, l'esprit. On travaille sur soi. La perception, la gestion, l'engagement. C'est du bonheur. Et on partage. Allez. On se remet là, on actif. Le side kick. Alors, ce que l'on va faire, il faut absolument que dans l'exécution qui vient, là encore, le transverse soit engagé, que tout ça soit ensemble. D'accord? Ça ne se définit pas ni le haut ni le bas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre appui sur vos genoux. Voilà. Une fois que vous êtes là, regardez l'alignement. Ma cuisse, elle prend la direction de mon buste. Mon buste, il n'est pas là et mon buste, il n'est pas resté à la verticale. Quand mon genou monte, hop, mon buste, il prend la trajectoire de mon genou. Faites ça 10 fois. Et c'est entier, vous activez bien au sol. Hop. Et quand le genou monte, c'est hyper engagé. Allez, 4. Et elle participe à l'équilibre. 5. 6. 7. Cool. Je monte ici, mais cette fois avec le plat du pied, extension sur l'extérieur. Tac. Et je reviens. Donc là encore, ce que je vous disais au tout début, ne claquez pas au niveau du genou. Et c'est de sentir que vous avez une poussée, en fait. Vous poussez sur quelque chose sans aller en extension complète. Et on ramène. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Et on ramène. Hop. Deuxième. Voilà, il faut qu'il y ait un galbe. Vous devez le sentir au niveau de la taille d'ailleurs. Allez, cinquième. Tournez le pied. 6. Allez au contact de l'adversaire. Encore. Voilà. Non pas par dépit. Je dis ça, je suis parti dans la cuisine. Hein. En plus, j'étais plus là. Hop. Et on revient. Limite, j'étais parti préparer le cheesecake.
N'importe quoi, cheesecake, bof. Ça fait un peu contraste, hein. Ouh là 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 là. 3, 2, 1. Rappelez-vous tout à l'heure, deux fight, deux jack, deux fight, deux jack. Ouh, fight, et dégage. Et là, on fait la même chose. 1, 2, et dégage. Allez, faites la même chose, transition. Des fois, quand je me regarde, je me fais peur. Hein. Je vous ai fait un truc, là, je ne sais pas si ça s'est vu, ça vient un peu. Oh, on était vraiment dans le truc. Hein. Limite, je vous ai trop impressionné. Là. Allez, dernière de part et d'autre. La dernière, transition, corde à sauter. Hop, on revient. On régule, on se rappelle, continuez sur la corde. Ne vous arrêtez pas. On change de pied, pied gauche, rotation, genou. Qui monte dans l'alignement du buste. D'accord? Je calme. Allez. 2, go. Chut. Hop, deuxième. Chut. Travaillez bien avec l'articulation au sol, un peu la cheville. Chut. 3. Chut. 4. Allez, ça tourne. 5. 6. Côté qui est plus dur que l'autre. 7. On n'a pas la même motricité d'un côté de l'autre. 8, 9 et 10. Allez, soufflez. Le side kick, même début et la pression avec la jambe sur les. 3, 2, c'est reparti. Et on revient. Deuxième. Alors, ne me demandez pas pourquoi je fais des bruitages comme ça. Ça doit me faire plaisir. Vous soyez vraiment votre attitude. Ouais, je suis sûr que c'est bien fait. Comment j'aimerais vous voir. On pourrait se faire un petit délire d'ailleurs. Je prends une photo à la fin. Chacun fait son side kick. Et je le publie sur le groupe de la motivation. L'autre groupe. Allez, 9. Et on revient. Allez, soufflez. Parfait. Éducatif. On écarte la corde. Oh, on met de la fréquence. Option cool. Allez, c'est parti, go. Là encore, travaillez sur la brièveté de l'appui. Je vais vous arrêter là. On continue un peu. Encore 5, 4, 3, 2, on remonte. Hop, moulinette. Allez. Alors là, on va diviser le groupe en deux. Pour faire des pompes, et dans ce cas-là, vous allez travailler debout, activé. Hein. Ce que vous allez faire, 45 degrés, et en force, vous dégainage. Si pareil, vous pouvez pas être sur les poignets ou sur les avant-bras, dans ce cas-là, vous alternez inclinaison ici, et si le dos est sensible, plutôt en rotation là, voire en translation de part et d'autre. Les autres, on est prêts. 10 pompes, 5, 4, 3, 2, la pompe, elle peut être sur les genoux ou j'ai entendu. Go! 6, 7, 8. Donc debout, vous n'êtes pas rien. Travail sur la taille, le travail que l'on vient de faire avoir. Parfait. Ceux qui sont en gainage comme moi, soit vous êtes sur les mains, soit vous ne pouvez pas être sur les poignets, vous mettez sur les avant-bras, soit vous ne pouvez pas être sur un levier tendu, vous mettez les pieds sont fixes, vous allez juste faire un déplacement avec le haut du corps. En 4. Allez, 4 fois vous déplacez les mains. 1, 2, 3, 4. Et on revient. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4. Si c'est trop dur, vous pouvez rester en statique. Allez, dernier retour. On se remet au milieu. Ceux qui sont debout, bras à la verticale pour les autres push-ups. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On prend le temps. On remonte, moulinette. Allez, c'est pareil pour tout le monde. On mouline. Activez bien. Encore 10 secondes, prenez le temps de bien souffler. 5, 4, 3,
Mais c'est reparti le combat. Bougez, occupez l'espace. Travaillez, jab, droite, gauche. Hop. Allez, activez-vous, activez-vous. Mauvaise connexion, je passe ça. Et apparemment, il y a pas mal de soucis quand même sur les connexions. Allez, bougez bien. Encore. Lâchez pas, lâchez pas. Dites-vous si vous éprouvez un peu la fatigue. Lui, en face, le Covid, toutes les choses négatives, le stress, le mauvais stress, parce qu'il y a du bon stress, mais le mauvais stress là, shootez-le! Ne le laissez pas prendre l'ascendant, jamais. C'est une petite bête qui gravite dans l'esprit, ça, hein, qui gravite dans l'esprit et qui vient nous polluer. Mais vous, si vous mettez les choses avec le bon cadre, le stress ne passera plus. Allez, bougez, et ça, c'en est une preuve. Allez, avancez, reculez. Venez le chercher, venez. Bougez, 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 soufflez. Switchez la pensée. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Est-ce que j'ai le bon écart dans les pieds? 3, 2, 1. On régule. Allez, soufflez. Vous vous rappelez le side kick? On va le faire à droite. Squat entre les deux. Rotation du pied à gauche. Ça peut être aussi en version cool, ça peut être flex, tourner le pied, dégager sur le sol, squat, tourner le pied, dégager ici, en version très cool. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est reparti, go. Inspirez, placez le pied, soufflez lors du kick. Inspirez, pied. Allez, si vous perdez l'équilibre, c'est pas très grave. Je suis pas très propre dans l'exécution. Je m'en excuse. Parfait. Soufflez. Vous pouvez vous arrêter là, ça fait 10. Ou alors on va jusqu'à 20. Allez. 13. 8, fort. Allez, les deux dernières. Encore une. Et rappelez-vous, où il était pas beau le dernier. Les deux fight et jack. Ou fight, fight, dégage, dégage. Restez là. Hein. Allez, soufflez. Encore, à vous de choisir. Allez, les amis, ne renoncez plus. Gérez, contrôlez, prenez l'ascendant. C'est une super bonne sensation quand on sait qu'on a le contrôle, quand ça vient de notre décision, quand c'est plus des choses qu'on subit, quand c'est des choses qu'on décide, parce qu'on est acteur, parce qu'on reprend le contrôle de tout ça. C'est plus jamais la même vie. Hein. Que ce soit en termes d'engagement, dans une séance de sport, ou dans la vraie vie. Allez. 3, 2, 1, le combat, on occupe l'espace, go, allez, on n'est pas loin de la fin, 11e round, ah, je suis peut-être un peu fatigué, mais je m'en fous, à aucun moment, il prendra l'ascendant sur moi, et à la fin du combat, à la fin, ok, je suis cramé, ok, je me pose des questions, mais à la fin, c'est moi qui sors vainqueur, ne serait-ce que dans le cheminement que j'aurais mis en place. Comme les objectifs dans la vie. Avoir un objectif, c'est top. Ça nous donne un chemin. Mais parfois, ce n'est pas l'objectif ou la réussite de l'objectif qui compte. C'est le chemin qu'on prend pour se réaliser. Et bien, c'est la même chose. Allez. Je suis fier de vous, les amis. C'est pas du fun. Je vous kiffe. Allez, je suis dans le coin, là. Je suis derrière vous. Je compte sur vous. On compte sur nous. Vous êtes peut-être de l'apport, de l'énergie à apporter à l'autre. Allez, 5, 4, 3, 2, soit vous repartez d'ici, plus travail de rotation, soit push-up. Allez, go. Avant dernière, et stop, on bloque. Il n'y a plus de déplacement. On contrôle, le cœur est à plat, dans la posture. Là, on est dans ma méthode. Hein.
Inspirez. Repoussez avec les mains dans le sol pour sentir la force. Oxygénez, laissez l'oxygène partout dans votre corps, laissez-le oxygéner l'esprit, poussez, soufflez. Si vous avez, si c'est encore trop fragile pour vous, vous remontez et vous faites le travail sur la taille. Maintenant, ce qui est, si vous bloquez la respiration, checkez vos postures et soufflez, décompressez. Encore, inspirez, bloquez. Essoufflez. Si on reste à ce qu'on ressent, il y a la difficulté. Maintenant, si on reste à ce qu'on peut faire, il y a de la ressource. Soit vous êtes sur les genoux, soit vous montez les bras sur la tête, soit push-up 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. C'est reparti, on prend le temps. Combat, round 12, ce qui veut pas, on y est, allez, quand j'y vais, c'est bien les filles, hein. On l'a notre combat, vous sentez pas les ailes poussées là, alors pas un mauvais escient, pas tant que ça soit contrôlé, mais si on a ce contrôle, si c'est du conscient, alors oui, là on est top, 20 secondes, 15 secondes, c'était pas qu'un combat sur un ring, hein. C'était déjà un combat par rapport peut-être à soi. En même temps, je vous dis ça à vous, alors que tous les soirs, vous êtes au rendez-vous. Allez, on stabilise. Les fight, go! Moulinet, 3, 2, 1, go! Et genou droit, genou gauche, en marchant ou en actif. On bloque les appuis, c'est reparti, le fight, go! 5, 6, 7, 8, moulinette. Genoux, hop. Dernière fois, il n'y a plus que le plaisir. Il n'y a rien d'autre. 6, 7, 8, 9. Moulinette. Oh, mais j'en ai marre, coach. Tu n'arrives jamais. 5, 4, 3, la réduction. Allez, prolongez l'expiration. Et remontez les genoux. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Lâchez rien. Posture, abdos, périnée, mental. 3, 2, 1. Je suis ultra. Ultra fier de vous. On est une team. Allez, marchez un peu. Elle est bonne cette fatigue. Elle est super bonne. On se rappelle les valeurs du sport, le respect, le partage, l'entraide. Allez, on était peut-être un sur le ring, mais on était 300 derrière. Essayez de faire un petit prolongement de la séance là. Essayez de faire un petit feedback pendant 30 secondes. Il faut qu'on descende un peu au quart de l'heure. Pendant 30 secondes, refaites un peu l'histoire de votre combat là. S'il y a des moments où ça a été dur, si vous avez pensé justement à un objectif, si vous avez pensé justement à comment vous gérer, est-ce que vous avez eu cette sensation justement à la fois de plaisir et de gestion? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été un peu flottant? Est-ce qu'il y a eu des défauts? Est-ce qu'on pourrait les corriger? Si... Alors, il y a deux défauts. Je ne suis pas fier de mon sidekick. Les transitions, elles ont flotté. Et je m'étais juré de moins parler. C'était pas ce soir. Je sors. Allez, venez tranquillement vous placer. On va se mettre sur le dos. Toute petite phase, toute petite d'abdos, histoire de finir avec un tout petit peu de renfort.
En tout cas, s'il y a une phrase à retenir de tout ça, c'est toujours la même, hein. L'appétit vient en mangeant et l'énergie vient en bougeant. Allez, on se met sur le dos, on lève le menton, on inspire bien en soufflant, on fait l'effort de sentir qu'on rapproche les segments, qu'on élève. Même si ça devait durer encore 2 heures, on aurait encore le contrôle. Inspirez, transverse, périnée. Et maintenant, par l'expiration, je produis le geste. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on bloque. Et on repart pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on bloque, on reste. Et 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Maintenant, à partir de là, avec votre ligne d'épaule, vous allez faire des cercles à gauche, en bas, à droite, en haut. Donc, des cercles, oui, mais des cercles verticaux. Allez, soufflez bien pour remonter les épaules. Parce que les appuis au sol, ils sont constants. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Inversez. Toujours par l'expiration, pas par le geste mécanique. La mécanique, elle va suivre le rapprochement de vos ados. Alors, quand je parle de la mécanique, c'est ne pas lancer les épaules. Stop, on bloque, on inspire. Transverse périnée, je souffle, je raccourcis les segments, je monte et je tracte à la verticale et je repars pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est presque, on bloque, on lève les genoux si vous pouvez, genou droit en soufflant, plus genou gauche, bloquez les épaules et faites un tout petit ciseau de genou là, tout petit, en essayant surtout de miser sur le rapprochement des genoux vers la poitrine. Hop. Soufflez sur 3 et inspirez sur 4, enfin sur le quatrième. 1, 2, 3, inspire. Allez, soufflez. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, niveau 2, voire 3, vous rapprochez les coudes. Attention, rapprochant les coudes, à ne pas tirer la tête en avant. Et vous venez croiser, mais en déportant les épaules à droite et à gauche. Non pas en allant vers l'avant. Pas de pression viscérale. C'est ça. Hein. C'est juste le genou qui vient vers la poitrine, qui rapproche le coude du genou. 3, 4, 5, 6, 7. Restez sur le même principe de la respiration. 3 et 1. Parfait. Inspirez. Soufflez, descendez pied droit. Soufflez, descendez pied gauche. Finissez par 20 petits mouvements là-haut. Allez, soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspirez. Et les 10 dernières. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relax. On l'a fait. On est tous sélectionnés pour 2024. C'est cool. Allez, je suis fier de vous. Bravo pour le travail, bravo pour l'engagement, bravo pour l'énergie. Pas de stretch encore une fois parce qu'en temps c'était trop important. Par contre, c'est toujours pareil, je ne vous donne pas de conseils, mais ne vous jetez pas sous la douche derrière. Ça ne sert à rien. Prenez le temps plutôt de souffler, de récupérer un peu, de bien vous hydrater. Soyez juste fiers de vous et restez sur la même dynamique, hein. La pensée positive. Allez, je vous invite juste à faire 3 respirations. Mais très cool parce qu'il est déjà 19h02. Redressez-vous bien, tirez les épaules arrière, inspirez par le nez. On va juste travailler sur la capacité. Emmenez cette inspiration le plus longtemps possible. Ah, c'est un regain d'énergie, ça. Et décompressez. Et tout ce qui est positif, on le prend à l'inspiration. On
recharge les batteries et tout ce qui est résidu négatif, on l'évacue par l'expiration. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Bon, c'est cool. Merci d'avoir été là. Désolé pour le rythme pour ceux qui étaient là pour la première fois. C'est sûr qu'on n'était pas dans l'intensité Pilates ce soir, c'était tout l'inverse. J'adore le Pilates, mais c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans la même intention et dans la même intensité. Merci pour votre présence, merci pour votre engagement. Merci à tous ceux qui le font en replay, qui seront avec nous un peu plus tard. Prenez soin de vous. Demain soir, off, on récupère un peu et je vous invite vraiment à récupérer. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, mais si vous pouvez, faites-le. Je sais qu'il y en a qui sont très assidus. Et on se retrouve jeudi en grande forme. Salut les amis, bonne soirée à tous.